sommes sur le petit aérodrome de Belvis de Monron, dans l'Estrémadour espagnol. Voilà. Donc nous allons faire un vol qui va suivre le Tage. Le Tage qui se jette à Lisbonne, au Portugal. Bon, ben super. Oh, ah. C'est vraiment pénible ça. Je suis mort. Ouais. Comment ça se fait tout ça? J'en avais pas autant avant. Hein. Et en plus, c'est pas tout le monde quoi. C'est un PC en particulier quoi. C'est. C'est vrai que c'est pénible. Alors, est-ce que c'est le track hier qui me pose le problème? Non, moi je l'ai pas. Et... Ouais. Oui. Et donc les couleurs sont plus nuancées, elles sont moins vives. Moins saturées, voilà. Couleurs moins saturées. Il y a du vent, hein. Vraiment derrière. C'est vrai que je vais peut-être faire une pause à mon avion pour qu'on puisse me rattraper. Bon. Ouais, Pomme, t'es vraiment loin derrière, effectivement. Attends, j'arrive. Ah oui, il y en a d'autres qui... Oui, oui, effectivement. Ouais. Pourtant, je vole pas ici. Si et pourtant, je vole presque à 200, là, je suis à 180, 190, et puis je reviens pas. Ouais. Ah si, ça y est, là, je crois que je commence à... Mais je vois toujours pas quoi, je vois juste les étiquettes. Oui, écoute, je sais. Moi je vois tout le monde en étiquette. Pour ça, moi ça marche bien, je comprends pas. Cette difficulté là, je crois. Je me rappelle à l'époque, on traversait cette région là, on faisait beaucoup de céréales, de blé. Et en été, on rencontrait des convois, des vrais convois, de nationales batteuses. Ah ouais? Parce que, ils se les prêtaient, enfin, c'est une coopérative, donc ils se mettaient tout ça, c'est ouais. Pour faire fonctionner les machines. À l'époque, on roulait sur les nationales, donc c'était problématique. Bon, maintenant, avec l'autoroute. Alors là, on a un vent de face à 24 nœuds. C'est ça, moi j'ai un 33. Un vent de dos, pardon, un vent de dos. Ouais, moi j'ai un 33 nœuds. Voilà. Je dois être plus haut. Du point des avions. Ah ouais,
de l'avion, bah oui. C'est vrai que c'est l'occasion. Bah, je vous vois, vous êtes loin. Bah, tu peux nous rattraper. Tu sautes vers le prochain aéroport. Tu suis sur un de nous. Regarde. Bah, tu nous pointes, tu fais Y et avec ta petite bite de clavier. On dit doucement. Alors, tu regardes où on est, tu te mets dans notre axe, et après, une fois que tu es bien droit, tu touches Y et la touche 8 de ton clavier numérique. Y, ça va se faire translater. Non, je suis fatigué parce qu'il y a une copine qui est passée, qui a oublié son cigare. Rien. Moi je t'entends arriver au-dessus de moi. Accidenté quand même, je voyais ça plus plein. Ouais. Et ça bouge, hein? Ouais. Petite route là qui slalome entre les montagnes là, que vous pouvez suivre pour rejoindre la piste. Que vous savez de vos pères. Le film. Faut mettre le film. Quel film là? Eh, c'est même pas. Excusez-moi, c'est même pas une route, c'est un cours d'eau. Tout à fait. Je te confirme. Je suis 95 000, donc c'est pas grave. C'est pas juste un peu. Voilà. J'adore. Piste dégagée. Oh pardon, je n'avais pas vu arriver. Vas-y.
Moi je suis en voile, mais je suis loin, donc ne m'attendez pas, je viens de passer le barrage. Ouais, ouais. Et Eric qui est là-bas, ouais. Ouais, non, je suis. Ouais, je vous laisse, j'ai des problèmes, là ça marche pas. Là. C'est dommage. Je suis encore 15 miles. Ouais. C'est pas vrai qu'on va finir à... C'est pas vrai qu'on va finir à deux encore. Je referai le vol demain. Ça marche. Allez. Non, pas demain parce que t'es à la mise à jour. Ah oui, 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 j'ai vu. Enfin, bon, si tu peux le faire le matin. Ouais, je travaille demain. Ah oui. Ouais. Tous les joueurs ou seulement les joueurs. En réel ou pas, mais bon. Là, on est en réel, donc c'est tous les joueurs. Ah, elle est presque en formation là. Là, je suis en vitesse constante, hein. Je suis en automatique là. Ah, j'entends le bruit de ton moteur quand tu passes à côté de moi, c'est génial. Allez, je relance. Ah, ouais, je dois faire plus de bruit, hein. C'est plus lourd. Hein. Ouais. Eh, je suis un gros plan sur toi. Eh, je suis un gros plan Alpha sur toi. Alpha qui est là. Eh, je suis un gros plan sur toi. En caméra. Alpha est derrière nous. Alors c'est marrant parce que je vois pas tes hélices tourner, vous savez. Ouais. Et tu dois sûrement pas voir mes... Ah si, peut-être. T'es en générique. Là, ah, non, là on se croise. Plus petit, pardon. Ouais. C'est plus ma stock, hein, quand même, d'après moi. Il y a deux moteurs 6 cylindres là-dedans. Oui, mais je veux dire, en envergure, t'es plus petit. Oui, 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 tout ouais, à voilà, fait. Voilà, c'est ça. Oui, donc il faut que tu vas plus vite. Ouais. Allez, on arrête de se poser. Oui, je vois, je suis avec le drone, hein, donc j'observe. Et je suis en plus, je suis en train d'enregistrer, donc il sera sur la vidéo. On atterrit à Castello Branco. Oui, absolument. Ok. Ouais, je fais des petites portions de 35 km en moyenne. On peut faire des pauses quand même. Sinon, le vol est un peu monotone. Hein. On pense que c'est par la 16. Il vient toujours de l'est le vent. Hein. Oui. Alors. Ouais, c'est par travers. Hein. Bah ouais. Ouais, la 16. La 16 bon, okay. On l'aura de travers. Donc. Là, parce que là, on a le vent dans le dos. Ouais. Il y a un 4 genre en alignement. Vous êtes posé là? Non. Là, ah, on se prépare à se poser. Ça va. Je me base sur la route, sur la 4 pour me donner. Je suis à 6 miles de Castello Branco. Castello Branco. Ouais. Château Blanc. Je vous donne la traduction, c'est ça. Moi c'est espagnol, mais né en France aussi. Moi j'ai perdu tout contact avec la famille maintenant. Puisque les anciens sont morts. Ouais c'est ça, les jeunes cousins, après. Tout ça, ouais, bah, tout ouais c'est ça. Ouais. Moi c'est pareil. Ouais, c'est tant qu'il y avait les tantes, les oncles. C'est ça, voilà. Ouais. C'est tout à fait ça. Et ben on va se poser en crabe. C'est ça. Je suis en finale sur le piste. Donc la 16. On va se mettre. Eh ben. Moi je me suis aligné presque de loin. Je vais essayer, si j'ai des bons yeux, je vais essayer de faire du premier coup. On va sortir les aérofreins. Ah, mais il y a, c'est une piste en bois. C'est une piste en béton. Plus, en... Oui. Ah oui, ah bah alors je vais y aller du premier coup. Voilà. Ouais, on va partir par l'autre bout, comme c'est le même cas que tout à l'heure. Hein. Ouais.
C'est une piste, hein, parce qu'il n'y a pas d'y a pas de baraque, c'est pas un aérodrome à mon avis. Il n'y a pas d'installation particulière. C'est peut-être quand même l'aéroport régional. Enfin, ouais, ils appellent ça. Ouais, pourtant. Putain, la chaussette est bien horizontale, hein, je peux vous le dire. Oui. Ouais. Ah, y a du vent. Hein. Ouais. Ah, 12 nœuds. La seule chose d'aérofrein, si tu penses pas à l'enlever quand tu décolles, après t'as un souci. Avec le carénado, si tu vois deux petites plaques qui sortent sur les ailes, là, c'est assez marrant à voir l'animation, quoi. Des petites plaques rouges. Au prochain, en fait. Bah si c'est un aérodrome, pourquoi pas. Moi je veux changer. Ouais. Moi Tasse. C'est le GN aussi. Ça reste sur tous les petits aérodromes, pas de soucis. Il a maintenant la piste 13. Pas long. Ouais. Ah oui, la 13. 13. Ouais, ouais, il est à 30 km. Voilà. Et voilà, Ordi, t'es pas le dernier. Ben non, ça change. Ouais. Mais ça fatigue aussi les yeux, mais l'avantage c'est que tu peux le débrancher à tout instant et continuer en mode normal. Ouais, voilà. Parce qu'en VR, je sais pas si tu peux revenir au mode normal ou reprendre VR. Si, t'as une combinaison de touches, tu fais CTRL TAB, tu passes en normal ou en VR. Mais c'est un peu plus... ça demande plus à la carte graphique, tu bascules entre les deux, bon... fait que 300 mètres. Tu sais à quoi elle sert cette piste là? Sûrement pour les bandages aériens. Ah. Oh oui. Ah ouais. En tout cas, c'est beaucoup à venir. Alors...
Randy, tu devrais dégager la piste quand même. J'y suis pas. J'y suis dessus là. Ah ouais, t'es dessus. Ouais. Ah oui. Quand tu vas des pistes. On a du mal à la voir. Je croyais que je l'avais dégagé. Non, t'es juste dessus. C'est le rectangle jaune. Voilà, là, maintenant t'es plus dessus. Voilà. Pour permettre à papa de bien repérer la piste. Ouais. Ouais, j'ai repéré une crête. Si je suis cette crête, elle va m'emmener direct face à la crête. Dans les mains, là, c'est bon. Ah, ah, tu décales là. Tu ah, décales. Ouais, je vais trop loin. T'es trop décalé. Bon, c'était. Bon, il y a de la marge, hein, de toute façon. Lui, il est bien dans les mains, tu vois. Il descend un peu vite. Solide le train. Ouais. Par contre, tu vas foncer sur le copain. Ah non. C'est bien il a évité. Ah ben. Il a quand même braqué. Qui c'est qui passe dans les arbres? Personne dans les arbres. Ah bah si, je vois un avion à ta droite. Je vois pas d'arbre moi. Si, si. Il y a des arbres. Il est dans les arbres. On regarde sur la vidéo, hein. C'est des pins. Des arbres tout court. Eh bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné sur ce vol. Eh bah ben merci à toi pour ce vol. J'espère qu'il a pas été trop monotone parce que tu restes plus à l'aise. C'était sympa. Très sympa, hein. Ouais. Et moi je vois. En fait, je vois avec.